S'il vous plaît, face à cette situation, on fait comment? J'étais de passage là, comme vous voyez la route là, mon frère. Je sortais du quartier. J'avais envie de faire pipi. J'ai garé là pour me mettre à l'aise, mon frère. J'ai laissé la clé au contact. Toutes les portières se sont fermées. Comme généralement, les tuyaux se ferment automatiquement. Regardez. Regardez. Même la malle arrière. Regardez. Tout. C'est bloqué. Regardez. C'est bloqué. Tous les portières sont bloqués. Je sortais pour me mettre à l'aise. Regardez. Voilà. Quand je rapproche, voilà mes clés. Vous voyez, non? Voilà. Voilà les clés au contact. Face à cette situation, on fait comment? Ben, je ne suis pas le premier. Je suis sûr que beaucoup ont déjà eu ce problème-là. Mais je viens d'appeler un ami. Parce que quand tu as toutes les situations comme ça, il faut appeler quelqu'un qui maîtrise. Vous savez que ça, c'est les occasions que les tauliers attendent pour choper les dos. Si je vais déplacer un taulier là maintenant, là, il va me demander peut-être même 20 000 pour venir débloquer ma voiture pour enlever la clé au contact. Ça s'est bloqué automatiquement. Donc, je vais vous expliquer ce que mon ami là vient de me dire. C'est pour cette raison que je partage cette vidéo. Ça peut aider beaucoup de personnes. On ne sait jamais. Demain là, quelqu'un d'autre peut se retrouver face à cette situation. Ça l'aide aussi. Je veux partager donc avec vous ce que mon ami, parce que j'ai essayé, ça a marché. Et j'ai dit que je fais une vidéo pour vous expliquer. Alors, face à une situation, voilà ce que mon ami m'a dit. Voici une bouteille d'eau. Il m'a demandé de chercher. Une bouteille d'eau. Regardez bien ce qu'il veut faire avec la bouteille d'eau. Et la voiture va s'ouvrir. Hein. Voilà, je fais la vidéo seule parce que j'étais une place dans la voiture. Je viens ici, j'ouvre l'eau. J'ouvre. Voilà, regardez bien l'astuce. J'ouvre. Voici le côté chauffeur. Le poignet ici. Je verse un peu d'eau là. Regardez. Je verse un peu d'eau. Je fais en sorte que ça entre un peu dans le creux là. Comment on appelle même ça là? Le trou du poignet là où la clé entre là, non? Je verse un peu d'eau là. Je verse, je verse. Je me rassure que c'est bien entré. Voilà, bon. Pas une grande quantité quand même, hein. Voilà, quand je fais ça donc maintenant, je peux fermer ça et déposer à côté. Je prends maintenant le lotus. C'est un lotus maintenant. Je prends, j'enlève un lotus pour le lotus là. Je suis bien le lotus là. Je suis bien le lotus. Je suis bien. Je suis bien l'eau. Pardon, pas le lotus. C'est pas le lotus. Et je suis l'eau. Je suis. Est-ce que vous voyez quand même ce que je suis en train de faire? Comme je suis filmé seul là. Je suis. Voilà. Vous voyez que c'est un peu séché. Ça bien, c'est un peu séché. Voilà, et l'eau est entrée. Je jette le lotus ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Regardez ce que je fais. Regardez. Regardez la magie. Je sors maintenant la deuxième clé. La deuxième clé. Je mets là. Je tourne. La portière s'ouvre. Quand la portière s'ouvre, donc maintenant, j'entre. Et voici la deuxième clé. Je dépose sur moi. Et j'enlève la première clé maintenant. Vous voyez un peu, non? On ne sait jamais. C'est l'astuce que je vais vous montrer. Donc, ce qu'on retient dans cette vidéo, c'est qu'il faut toujours avoir deux clés. On ne sait jamais. Quand je suis sorti la pape pour me mettre à l'aise, elle s'est bloquée comme ça. J'ai directement appelé à la maison. On est venu me donner la deuxième clé. Ça aussi, l'alarme. Deux alarmes. Voici l'autre. L'autre alarme. Voilà. Vous voyez, non? Il faut toujours avoir deux clés. On ne sait jamais. Parce qu'il y a les chauffeurs ici là-dehors qui ont une seule clé. Si tu sors comme ça là, tu as un sac sur toi. On arrache ton sac, on part avec la clé de ta voiture dedans. Le Niéma, nous on appelle le Niéma, c'est quoi qu'on met la clé là. Vous savez combien ça coûte? Il faut toujours avoir deux clés. Et toutes les voitures viennent avec deux clés. Il faut toujours bien garder la deuxième clé. Sans ma deuxième clé ici aujourd'hui, j'étais mort en guerre. Merci de partager la vidéo. On se retrouve au complexe Las Vegas. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical.
Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesasi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.